Maria zamene wana nyangu Maria zamia leo Maria zame Maria zamene wana nyangu Maria zame leo Maria zame Baba na mama wana nyangu zamana sena Mamurenga mana wanyu rasakadoda leo rasakadoda Hari mwenya mingi nadzi pia mutsuzi wanadze Hari rasa mingi nadzi pia mutsuzi wanadze pia mutsuzi wanadzi mama inabidi atimate Maria zamene wananyangu Maria zame aleo Maria zame Maria zamene wana nyangu Maria zame leo Maria zame Baba na mama wana nyangu zamana tena Mamurenga mana wanyu rasakadoda leo rasakadoda Mame Koti ala mwenyashimu, dimebunza mikindani. Koti ala mwenyashimu, dimebunza mikindani. Divingi wengi wa mali, na wengi wa zisani. Na shahidi akababo mama, ile mpunu wa kumane. Rasi urenge kuku yangu, ubayo mundu. Lebo ubayo mundu. Rati urenge kuku yangu ubayo mundu Lewo ubayo mundu Kunita omu nambia ngezi ya ingu Kuzilo zangu mwazani wangu ngezi ya ingu Lewo ngezi ya ingu Ame Wamina muva nyama koila na ivadua Shepu watu vingi ndini ina mana Shepu watu vingi ndini ina mana Chama chatu sitikili ya mini babuli ya mana Musishangae na wasingeri na zamana Mame Mwafaka na roo yangu Wamitipara barua mama Nitoliso mananani Wamitisina jirani mama Walatisina mazani Juri no miko waje mazani Juri no miko Mujiyo Amade alena haba wa mjoka ya Sena mkene zoma na hane Shambi sema na javanga Kwa kaisika ule mtomuzu liwa hae Ukami mwenu wangu wakamruma mungu makawenda. Hapo kia ho, mwanaba mwansa hii, tafadwa, uje urengeza, nini sika hambeta sikara o program, mamdoka jajwe mama nino nemuze, ya jivi waneza nguzinu, nike sita mkare isi mwane. Mwale nukisho kwa wakati ya kahuja, kajone. Mamdoka ya, Kudalu karimu wa besi wakati ya kawjawanu kajone Awula zima mbramani uo Na kuzi isufa La zima wakumue Shama wati saidiki le Mbana majiae Ya he Zali hati wangu na uoneza Matuamba Jurnalisti na mimi Jurnalisti yono Rahanja wa sili Kumura hapa
La diaspora colombienne de Marseille
partir de cette réunion, à partir du jour où vous vous êtes rassemblés pour élire un président, vous avez voulu montrer que nous parlons tous d'une même voix. Je remercie Madame Djamila Saïd qui vient d'arriver de l'énorme travail qu'elle a réalisé. Je vous ai dit à la Comorienne que nous avons, Monsieur le Préfet de la région de Itara Anfou, Monsieur le maire de Mampou, et Monsieur le commissaire Maïsal, qui sont présents ici avec nous. Le préfet de la région, Itara Anfou, est envoyé par le ministre de l'Intérieur et de l'Information pour lui représenter, qui montre que, certes, Marseille reste toujours la deuxième ville des Comores. Ainsi, je réitère le remerciement envers vous, les Médas, les Oulamas, les Gablomamas. Sans vous, nous ne pouvons pas arriver là aujourd'hui. Mabel Kaya, Gabidao, Maché Manchi, Gabidao. Monsieur Joseph Pierucci, oui, Wakili, Yemera, Wahé, et premier et septième artiste. La République de Wajahou, conseiller municipal de Yemera, Madame Malisa Sekouali, nous avons la Kachikoule, vous pouvez la suivre initialement. Yeah.
karga pora masango rara gatereza ye kurani kari karisao wano nacho para le mama tukamja yamshe ni marhaba gera kise ukrofu wa hendi yole namna nafanya namani kena bas baba mana wale tika so ya lapa wana kamala tala fungwa chua surai nane mana wanzani wangu abu la fe na mkariku nekese baba na sana ye mungu wale kabine ya mada sani ya kari ya sawa sudi sha hebro kukoni ya ki manga kana jojia ramadan sabya gani wendem do hashi adapo kuma ba sa kaya ramadan pa bona bukao kuma komo mzaga ni haya wa kwenzi pia mzungu ya chene ya jasko na kumoreno masai ya sawa sili yena kwa mshangilia ana pia alugana na rais bravo siaramba na swali jowaji jowaji kwa karibu madame monsieur Me présente par l'ensemble du Congolais de Marseille. La diaspora du Congolais de Marseille. Thank you.
Vous avez quelqu'un avec toi?
Je voudrais remercier monsieur Joseph Pelous. Merci. Merci beaucoup. Madame la sénatrice. Mère du Gessès. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Petrosi, représentant du maire du premier septième arrondissement. Merci beaucoup. Monsieur Henri Chimaré. Que nous connaissons tous. Merci beaucoup, Madame Marisa Sétoani, conseillère municipale du 1er et 7e, et toutes les autorités qui ont voulu de leur présence aujourd'hui venir témoigner de leur amitié, de leur solidarité, de leur volonté de voir enfin la diaspora congolaise à Marseille se réunir et parler d'une même voix. C'est un honneur. C'est la preuve qui montre que vous avez toujours voulu que les Congolais de Marseille s'unissent. Vous êtes venu témoigner de votre générosité, de votre solidarité, de votre amitié envers la communauté congolaise de Marseille qui, je vous rappelle, et vous le savez très bien, nous sommes plus de 120 000 Congolais à Marseille, des Congolais, mais aussi nous sommes aussi des Français. Nous allons commencer notre réunion. Là-bas, dans ton cas, qui parlait, au stade du souffle, du stade du souffle, il y a Dieu, il y a Somme, il y a Kourkan et Karim, le Jean Foucault, c'est le bon carnaval, le souffle, il y a le pain et le castel. Le pain et le pain. Nous allons commencer par la lecture du Coran comme il se doit dans nos valeurs religieuses et dans nos coutumes. Merci. وكنتم على شفا حفرة من النار
car je vais aller à l'Ibanama Djihad. Mais je voudrais dire à toutes les autorités qui sont venues témoigner de leur présence ici que le Coran que vous avez entendu ici, c'est un rappel de Dieu à tous les peuples pour qu'ils s'unissent, qu'ils s'aiment, qu'ils montrent de l'amour et de la tendresse les uns envers les autres. Nous avons choisi ces versets-là parce que c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que vous êtes venus témoigner aujourd'hui de votre présence ici. Merci. Amparo Zewahangu, Afanabu, Yadje, Yamashé, Tétoni, Mara. Pardon, Président. Mafundi jimla kikao kwa jimla o haruma ni hafla yenu wanti pia kikao tuta hama fulani mbeti fulani shada o jimla wazee wa hatu wa heli la nati kikao tuta hama fulani mbeti fulani wanashu wa hatu wa rawe hata mbaya ya leo na maungu ama lazinu usuda mbali nawe mashatani ya leo na maungu chani wa kukura msiumi wananyasi magomana roma kaya rowaliyo kezeta ni kuzonti pia zilu arwea esalinu chapiwa ni mama yuka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwezi wa kukufu, silisiyoba nilifiki mba zolwaru za heka zija. Izo ni zamilizo na mbeo. Hawakati nisabanu, nekema, enya mbebozi. Silisiyobanu wajahu, nekema, enya sombare. Silisiyobanu kadhalika, nekema nisarabu harbe kuhor ikawo soti pia siwa mukaya wa mwastara kuhat kwenye achafurusi kata nikazi watukufu ewa nimisa uli nimandini ukahini wali nimisa manu nimandani ukaya izo mafaya leo zili ya lanani. Hakaya hini uzimu unawuza wambana. Nasema kwa uzimu, rabi ya narabunu wakati, miliwana mizimila kubani hata wola leo. Hapenge shukura mbana hini, nemazorani kabro, kwa adole komisyo, kwa hizi na mozimu, kwa zidao fuu, kwa zidao kikihali, hauka hizo wafanya, kani wa shukuri yao. Kwa zimu na mbana hashimu, sinikuwa nukwa nzima ni huambia na hudu na wakubaba na mwara haukainzi ya yuwa ijuo ema na mnyezi mungu subaha na wakala ya riso aliki rihunikeo haukazi mnyezi mungu ni hamba rihunikeo shawo ijitawe wawo wanawe zibu fulani shawo ni undo vtima wa mnyezi mungu badala mnyezi kwa manazinu nabu nasina takriba mzimirano rikubade hawa wa mani. Nikubali hawa mtu wao. Nikubali mkaya. Ya mtu ujua mji kwa mbibede juu. Basi wewe mwa ujuo. Mwa ujuo mkonti. Watu si wanazija. Haswa kena sikileta kuhinu. Izo ni utaji yao. Mwa ujuo mkaya uzalishi yao. Harumacha si wanazija. Njama na mtesi nji yao. Basi takika mizu chashi. Shawaze wa haho. Wakaza wa mwono juu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abasayu gatofana na abalezo tisi wa yurusha mao mikro trotoar
ujore kana kika mili wabeluji. Madame de Messieurs, veuillez nous excuser. Nous allons faire une petite projection des micro-trottoirs que nous avons réalisés pour cet événement. Ça va durer au maximum 2 minutes. Maria Zamene Wananyangu, Maria Zamia, Leo Maria Zamene. Djamila Abdoumlanao, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, Djamila est une jeune fille comorienne de Marseille. Elle est née à Marseille, une jeune fille de 28 ans, d'origine comorienne de Mitsamioulé et de Moroni. Elle a fait ses études après avoir décroché son bac. Elle a fait ses études linguistiques à Aix. Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous un peu de l'expérience de tes études à Marseille. Ben, du coup, à Marseille, j'ai eu mon bac littéraire en 2014. Ensuite, j'ai suivi des études de langue à Aix-en-Provence puisque je voulais faire traductrice et la traduction ne s'enseignait pas à Marseille. Du coup, j'étais obligée d'aller à Aix. Et du coup, en 2017, j'ai eu ma licence de traduction professionnelle et il me reste 2 années d'études pour être officiellement diplômée. Mais en attendant, j'ai préféré faire un travail cette année, tout ça, et du coup, je suis en service civique jusqu'en juin. Et Djamila, qu'est-ce qui t'a motivée de choisir la langue? Pourquoi? Je ne savais pas quoi faire au début, et je me suis rendu compte qu'en fait, les langues, c'était une facilité pour moi. À la maison, on parle comorien, après le chiomé, on a vu l'arabe, et en fait, les chansons, elles sont en anglais, et je me suis rendu compte que en fait, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. Et accessible en fait. So this time are you speaking fluently English? Yes, I do. Why you speak fluently English than Comorian? You speak also Comorian language? I understand. Yorongwash Comori? Yorongwa Maititiao? That means you speak fluently French and English, but Comoros language you don't speak fluently? You can understand French, Comoros language? I can understand, but you cannot speak. Fluently. I think I can speak, but I don't dare to. Slowly. That's cool. Alors, quel est votre message par rapport aux jeunes filles comoriennes, d'origine comorienne, qui sont à Marseille, qui n'ont pas réussi dans leurs études? Je pense qu'il faut être motivé et croire en soi, parce que moi, par exemple, je viens d'un collège à mauvaise réputation. C'était pas très facile, il y a beaucoup de voyous, tout ça, mais quand on veut, on peut réussir à s'en sortir et choisir le parcours qu'on a envie de suivre. Souvent, tu as entendu parler de la délinquance dans la ville phocéenne. Qu'est-ce que tu en penses de la délinquance qui gangrène à Marseille et surtout les jeunes comoriens? Je pense que c'est dommage, surtout que on peut s'en sortir en fait si on veut. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je pense que justement, on n'est pas obligé. Je connais d'autres personnes de quartier qui n'ont pas suivi ce chemin-là de la délinquance, qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Donc pourquoi pas eux? Tu as eu la chance d'être accompagnée par ta famille pour être sûre ou c'est un combat de toi-même? En fait, ma mère, elle m'a jamais forcée à suivre une étude particulière, quoi. Elle m'a juste demandé de suivre ce que je voulais et dès que je lui dis ce que j'aimais, elle m'a soutenue jusqu'au bout, quoi. Avez-vous un message particulier à la famille? Oui. Merci de m'avoir soutenue et d'avoir cru en moi, puisque des fois j'ai tendance à pas croire en moi et à baisser les bras. Et merci de m'avoir soutenue et de m'avoir laissé suivre le chemin que je voulais suivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. De vrai. Merci. Abasa, Gardeléao, Nibana Machiaf, nous allons poursuivre notre programme. Nous sommes la diaspora comorienne de Marseille. Mais c'est quoi la diaspora comorienne? Quelle est son histoire? Quels sont les enjeux? Quels sont ses besoins? Et quels sont ses attentes? C'est ce que monsieur Abakar a dit, va venir brièvement vous expliquer. Madame Abakarali, vous avez laissé les diasporas comoriennes à Marseille, Chimini, et voilà Madame Mikini, l'État d'Adiao, en Fouri, il y a les Léoé, il y a
325 ans Dakar et environ 215 dans les Bouches-du-Rhône. Ce sont des associations essentiellement de villages et de régions. On voit de plus en plus un nombre grandissant des associations de quartier fortement insérées dans la vie locale marseillaise. Le rôle des femmes dans cette communauté est assumé. Leurs actions sont tournées vers l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des villages d'origine. Elles sont dans une société magnifique et amicale. Leurs actions sont tournées vers l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des villages d'origine. Elles sont dans une société matriarcale, le pilier de la cohésion et de la transmission des valeurs. La communauté comorienne est l'une des premières en France à contribuer par le transfert d'argent au développement de la communauté. Leurs actions de solidarité voyaient souvent les insuffisances des infrastructures de santé et d'éducation dans les pays de naissance. Il aura fallu la mort du jeune Mali, assassiné par des bombes de l'Afrique nationale en 1975, et les manifestations pacifiques ont suivi contre les Marseillais et les Médias, et les gouvernements de César, et c'est ça. Et à partir de ce moment-là, la communauté est devenue ici. Malgré la représentativité des cellules d'origine comorienne dans les différentes institutions, des collectivités territoriales, des médecins généralistes, des infirmiers, des entrepreneurs, des ingénieurs, des techniciens hautement qualifiés, j'en passe. Au jour d'aujourd'hui, le constat reste sombre. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, les conditions de vie de la communauté comorienne n'ont pas changé. Les conditions d'éducation, l'espoir pour les jeunes diplômés, et ils sont nombreux, mais qui ne trouvent pas leur place dans la société, n'ont pas évolué. Une communauté qui souffre encore de conditions de vie difficiles, liées aux problèmes économiques et sociaux, elle est confrontée aux problèmes de logement, de la délinquance, en vivant à la violence et au racisme. Les Comoriens d'aujourd'hui sont d'abord pour ne pas subir ce que leurs parents ont subi. Exploitation dans le travail, refus non fondé de certains organismes HLM. La nouvelle génération qui a grandi ici, qui a étudié ici, veut participer royalement de la vie de Marseille. Ils ont décidé de tendre la main aux politiques. Ils ont des projets qui intègrent Marseille et ses communautés. Et il va falloir compter avec eux. Aujourd'hui, on voit émerger une élite engagée socialement et voulant affirmer sa présence dans le monde politique et professionnel. Dans cette République française, nous avons la liberté. Mais nous n'avons pas les rêves. Et cela, la communauté confronte à plusieurs problèmes. À Marseille, la moitié des décédés des règlements de compte sont aujourd'hui d'origine comorienne. Il y a une forte explosion de la délinquance des jeunes comoriens, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Par rapport à leurs frères ou sœurs aînés qui sont diplômés, et puis ne trouvent pas de travail. Elles se disent que les études ne servent à rien. Le marché ne les assiste pas. C'est une réalité. Malheureusement, il y a des esprits qui sont faibles, attirés par l'argent facile. Cela favorise l'apparition de cabines de quartier. Il y a 30 ans, Les Comoriens ignoraient la prison. Ils étaient plus souvent dans la mosquée, dans les études et la spiritualité. Aujourd'hui, hélas, les choses ont changé. En mal.
on parle beaucoup. Comment on y est au bonheur. Des jeunes meurent sous les coups de balles. La drogue circule dans les cités. Les Comoriens s'entretuent. Cela ne peut plus continuer. Cette explosion de la violence a pour fermement une grande misère économique et sociale et la perte de repères de nombreux jeunes. Dans cette ville, pour ces jeunes en désespoir, on ne vit pas, on survit. Ils sont abandonnés dans des quartiers qui deviennent des ghettos. Nous sommes dans un apartheid social, alors que, sans revenir nos origines, nous sommes lancés à part entière. Au-delà des difficultés précisées, nous sommes une diaspora qui a toujours le cœur et l'esprit dans le pays d'origine. Souvent regroupés en association villageoise pour agir dans leur village ou région d'origine. Qu'ils soient artistes, sportifs, chômeurs, mauvais garçons, les enfants comoriens de Marseille considèrent tous que leurs parents ont été jusqu'ici un enjeu électoral. Voilà pourquoi ils s'imposent comme interlocuteurs pour l'intérêt politique. Et quand les politiciens ouvriront les yeux sur cette réalité, alors les choses pourront changer pour les uns et les autres. Mesdames et messieurs, bien évidemment, ce nouvel engagement ne règle pas tous les problèmes, mais force est de constater que cela conduit à les aborder différemment. Oui, quelque chose va changer dans notre mode de vie sociale, culturel et économique. De fait, nous avons désormais une écoute, une attention, une tension, une volonté de comprendre et de savoir. Dans ce grand moment, ce beau moment, nous devons faire en sorte que cette journée du 14 janvier soit à la hauteur du rendez-vous de l'histoire. La journée d'aujourd'hui est le lancement d'une période nouvelle porteuse d'espoir pour la diaspora comorienne de Marseille, et plus généralement pour la diaspora comorienne de France. Il s'agit de mener à bien un projet d'union, un projet d'action qu'enfin les Comoriens aient leur vraie place dans la société française et dans les autres sociétés de France. Voilà, ben. Je vous remercie. Je la remercie, Mike. Ça, oui. Tu me suis toujours. On dirait que tu me suis pas à part. Machin, c'est bien quand même. Waziri Zaman, fundi watu, zuki watu, dinasu, ngebatimana si, tribini humu, bengwe ni mbuho, ni duanza, ni mshinde, shaka kakira, ukamba na manda inu, kekitu kakakaba. Abasa, ngariparao, mze watu, Shaban, Mohamed, a gentleman said, in Amma, said was his answer, how fubi comes in a jay, how fubi, that can be a citizen chief, Ninama Suda. Salam, monsieur, Shalam, Mohamed, pour vous montrer le processus de mise en place de l'union, de
de la diaspora comorienne à Marseille. Priez-moi, merci. Yeah, I'm going to see how
kaba fakishihe aziz alitawhi ya mwezi ya kifara kenyu kaba ama kwa kwa hiyo ima utono kutubonye kawa ima na mbalewa saidi uo kakawati wa mwendo kwa kwa hitasi shaba sita hitasi ya mwezi na hatunani na kwa sina ni mbatu marifani na mtafamu wa lewe kwa sina hii mdi kubali mkubali hizyo kwa 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 Mesdames et messieurs, le moment attendu est venu. Nous allons écouter, avant les autorités, Madame Sadia Gali, Ali Baye et les autres, avant de les écouter, nous allons écouter le président élu, Monsieur Issouf Mohamed Hachim, et puis nous passons la parole à nos chers invités que nous respectons beaucoup. Monsieur le Président, votre honneur, s'il vous plaît. Honorable Zenete, en vos bras et qualités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout de vous exprimer mes plus profonds remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence cet événement dont je ne soulignerai jamais assez l'importance pour les Comoriens de Marseille. Mon ami Aboubakar a pris soin de dresser et panorama de cette communauté que l'on dit parfois invisible. Je ne reviendrai pas sur cette analyse dont je salue la pertinence et qui permet à tout le monde de comprendre qui nous sommes. Mais je souhaite cependant que l'on retienne que les Comoriens apporte à la République des valeurs de tolérance, de respect, de sens du devoir, d'ouverture, d'ardeur au travail. Ils contribuent au développement de leur pays d'origine, de la France en général, de la métropole marseillaise en particulier. Cette communauté représente un poids démographique grandissant aujourd'hui, estimé environ 10% de la population marseillaise. Regardez un peu l'importance de la communauté de Montréal. Il a décidé d'oublier cette division et de parler désormais d'une seule voix
pour défendre ses intérêts ici et dans le pays d'origine en créant l'association dénommée Union de la diaspora comorienne de Marseille, l'UDCM. Aujourd'hui, après le processus démocratique inclusif qui a vu la participation des Comoriens des quatre villes, une mobilisation forte des notables, des femmes, des jeunes, de différents corps de métier et de toutes les couches sociales, le choix s'est porté sur ma personne pour présider l'Union de la diaspora comorienne de Marseille. Je m'appelle Achille. Je m'appelle Achille, je suis marié, j'ai 52 ans, je suis un homme simple, un travailleur fier d'élever trois enfants dont l'un poursuit des études juridiques dans le respect des valeurs de la République française et des traditions comoriennes. Je leur donne, comme beaucoup de Comoriens ici présents, tous les jours le goût de la réussite par les études et le travail. Cette attitude vis-à-vis de mes enfants est très largement celle de tous les Comoriens de Marseille. Nous sommes attachés au bien vivre ensemble, à la solidarité et à la spiritualité de notre religion de paix et de tolérance. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la tâche qui m'est confiée par les Comoriens. Je remercie encore une fois du fond du cœur. L'organisation de cet événement n'aurait pas été possible sans leur engagement, parfois financier, et sans l'énergie qu'ils ont déployée. Je vous fais une mention particulière pour les femmes dont je salue le courage et qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de notre communauté. Mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul pour mener à bien cette lourde responsabilité qui m'a été confiée. J'ai su réunir autour de moi un bureau, des expertises pour que l'UDCM soit un partenaire crédible, constructif vis-à-vis des autorités d'ici et du pays d'origine, pour porter remède aux mots qui rongent la communauté comorienne. Ces mots portent le nom de chômage, discrimination à l'embauche et au logement, d'absence de lieu, de culte, digne, d'exercice éventif du droit de vote, particulièrement dans le pays d'origine, où malgré notre voie économique, notre voix dans la conduite du destin des Comores n'est pas entendue. Les partis politiques nous ont souvent utilisés comme monnaie d'échange. Mais ce temps-là est terminé aujourd'hui. En prenant cette responsabilité, avec les nombreux amis qui m'entourent, avec la volonté des femmes, des hommes, des notables, des cadres, des jeunes, nous allons désormais peser de tout notre poids dans le destin de la métropole marseillaise et dans celui de notre pays d'origine. Nous allons nous mettre en route pour la réussite de nos enfants. Mesdames et messieurs, les exemples de réussite de nos entrepreneurs, de nos médecins, de nos ingénieurs, de nos juristes, de nos avocats, de nos techniciens, de nos artistes, surtout les artistes que vous connaissez très bien, les sopranos, les profs et j'en passe, de nos imprimeurs, montrent que tout est possible dans ce pays
de liberté, d'égalité et de fraternité. Le chemin est long, mais comme le dit si bien un proverbe comorien, écoutez bien, ce n'est pas en disant que le chemin est long qu'on le raccourcit. On le raccourcit en faisant le premier pas. Et c'est pour cela que dès la première semaine de février 2018, je vais réunir mon bureau et un comité d'experts pour élaborer notre plateforme d'action qui doit définitivement changer le rôle et la place des Comoriens de la diaspora ici et là-bas. Comme je vous ai dit, je m'appelle Achi. Je suis un homme simple, mais je suis un homme déterminé qui sait coordonner les talents et les bonnes volontés. Et c'est cette détermination qui m'anime, ce sont les âmes courageuses et qui m'entourent. Les Comoriens se sont réveillés aujourd'hui. Les Comoriens se sont réveillés aujourd'hui. Vive l'unité de la diaspora de la France. Vive les Comores et vive la République française. Je vous remercie. Voici, je vous remercie, je vous remercie. Je suis un peu plus de temps. Ma fundika au Ganivano Titia et ma cadre au Aloman, Rambera Bouché. Et ces délégations à la Gassika au Ganivano Titia, si nous avons un petit peu de temps, Nigeria,
Katoa tengeneza wate na madaliu Katoa na hongiho Katoa silisha Nisolengu wa ruwamaiza wa mati zona wati Ewe prezi Hama kato magwe chotoa magwe Jomba waka Yabu haru kumono Awa kato kumono Nakito wana Amerika ho Gono siniza Ofanya wa sikipana mana Wadana kwa sezana tazale masuwa Dari hano kumono Hena mkuno nani Hena mkuno na mjizi Nache kwa kati na huku Wana mwatishie Mwatishie hako wana kwa kutuko tawana Maida rafia Wanwao leo Dala mza wajewani Maraka kwa wapa nafasi kwa tawana Kwezi Tukisha kutaba Nato kwa wana watuchiniza nitewe Mwatisa wa sama Eni joka tizipekele za wani Na uboche na marahaba Ema suwa yotipia Na mafsus Ezeti za ega sita Na mafsus Neti ya majinika wa Ila Félicitations. Félicitations. Félicitations.
Il va falloir faire partie des choses que la désespoir, comme rien n'est droit.
Et je sais combien elles sont importantes et combien elles travaillent. Leur dire que je pourrais tout le compter ici pour être à vos côtés et surtout pour vous accompagner les couleurs de santé spéciale. Merci, merci madame la sénatrice. On n'a jamais été fait. Vous avez tout fait confiance, on est toujours reconnaissant de tous les efforts. Et tout ça, donc, je continue. Maintenant, je vais donner la parole à M. Marie Jouraille, conseiller départemental. Toujours la même question. Quelle réponse et initiative pour accompagner cette unité retrouvée et répondre aux attentes de la diaspora Marie Jouraille. Autour d'une diaspora et d'un président de conseil d'administration.
administration. Ça nécessite, bien entendu, des droits et des devoirs. C'est quoi les devoirs? C'est de faire en sorte que la jeunesse voit dans cette organisation un espoir plus jamais. C'est que les Comoriens voient aussi un espoir. C'est que tu deviennes le porte-parole des Comoriens de Marseille et de Provence auprès du préfet, auprès du maire de Marseille. Est-ce normal que Saint-Agali demande à chaque conseil municipal qu'une rue, qu'un collège, qu'une école porte le nom d'Ibrahim Ali, assassiné sauvagement, personnellement par la Front National? Non, c'est pas normal. Alors ainsi, c'est toi qui t'as relevé ces défis. Et moi, je serai à tes côtés, modestement. C'est toi qui portes le flambeau. Et nous, on doit pousser avec toi pour que cette communauté comorienne soit reconnue dans la cité, soit reconnue dans la cité sociale, mais soit reconnue dans l'Hexagone. Vous devez avoir votre place comme tous les Français dans la République française. Vive le mouvement! Vive la France! Maintenant, mesdames et messieurs, toujours à la clé de la même question, quelle réponse et quelle initiative pour les autorités françaises pour accompagner cette union, cette initiative? Je vais passer la parole à M. Joseph Pelletti, qui représente la maire du 1er et 7e arrondissement. Merci. Madame la sénatrice, chère amie, monsieur le préfet, monsieur le président et monsieur l'ambassadeur, je voulais à mon tour vous souhaiter une belle année 2018 pour toute la communauté comorienne, marseillaise, de toute la France et bien sûr de nos amis dans le voyage. À mon tour, aujourd'hui, je représente la même Mère Ascoli, maire du 1er-7e. Et en même temps, un petit message de notre maire Jean-Claude Rodin, qui vous a toujours soutenu dans la communauté. Dans la communauté comorienne. Et dans la communauté comorienne. Voilà. C'est bon. Merci. Amara, Gamjo Parada, Nesalando, et Masouan, quelle réponse et initiative? Gamjo Parada est prévu, Wahida, Daïsara, et Amanfou. Je vais appeler monsieur le préfet de Nitsana et d'Amanfou qui me présente le ministre de l'Intérieur de Nino Ndekoko. La même question, quelle réponse initiative pour les autorités comoriennes là-bas pour accompagner nos efforts et reconnaître tout ce que nous faisons pour le développement de notre pays? Merci. Monsieur le Président de la diaspora, comme on est à Marseille, Madame la sénatrice, Monsieur les élus, honorables invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable assistance, c'est un honneur pour moi de m'exprimer devant vous au nom du ministre de l'Intérieur, de l'Information, de la décentralisation
chargé des relations avec les institutions pour parler de la parole du gouvernement, son Excellence Monsieur Ahmed Daoud. Jusqu'au 10 janvier dernier, il était à participer personnellement à cette importante cérémonie, mais à cette date d'importance. Dispositions ont été prises, notamment l'ouverture du comité chargé des parrainages des assises nationales et la fixation d'une nouvelle date pour s'aider. En tant que ministre chargé de l'institution, il a été retenu pour ses charges. Avant de prendre le vol, le ministre m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles, de vous exprimer ses remerciements suite à l'invitation qui lui a été adressée et enfin d'adresser ses vigoureuses salutations. De son frère à son frère et ami, M. Hachim, qui est aussi président de la diaspora comorienne de l'Ancien. Pour sa brillante élection au poste de premier président de la diaspora comorienne de l'Ancien, le gouvernement porte une attention particulière à cette nouvelle structure qui l'encourage et l'assure de son soutien. Monsieur le Président, cette communauté que vous présidez sera sans doute le plus puissant. Le défi sont nombreux. Les attentes aussi. Je ne doute pas de votre volonté. Chers compatriotes, votre pays organise un débat national à partir du 5 février. À partir du 5 février prochain, plusieurs termes seront à l'ordre du jour. Le bilan de 42 ans d'indépendance. Le cadre institutionnel du pays à la gouvernance, l'unité et la cohésion sociale, le développement économique et social, le tourisme, la jeunesse et l'emploi, l'émergence du pays d'ici 2030, et aussi la diaspora que le président tient au cœur, le président de la République. Sur la diaspora comorienne de France. Vous pouvez aussi participer en envoyant votre témoignage, votre appréciation, vos propositions et suggestions, vos critiques à l'adresse du CPAN du Comoros. Monsieur le Président, honorable assistance, si je me trouve aussi ici parmi vous aujourd'hui, c'est que j'ai été choisi par mon ministre pour le représenter à cette grand rassemblement. C'est une confiance renouvelée pour ma personne et une fierté pour ma région du Centre-Ahoma. Permettez-moi, du haut de cette tribune, de lui témoigner toute ma reconnaissance. Je saisis aussi cette occasion pour remercier Monsieur le Président de l'Association de l'accueil qui m'a été réservé et des dispositions prises pour rendre mon séjour le plus agréable possible. Je vais sur le terminer mon discours sans rendre un hommage à pied l'ensemble de la communauté comorienne de France, et en particulier le mouvement associatif qui appuie et accompagne le développement du pays. Je ne pouvais ne pas citer l'association Gomé-Tsandra en France, section Marseille,
Alice. Et de remercier son engagement. Monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale,
Monroe, Philip Monroe. The moment that they go. Thank you.
E com mais importância,
Judas. Amen. Was a woman, that is the honey. But I was a shadow of a woman. Was that a man? Vous venez vous présenter ce bureau et puis on va écouter le bureau national. Monsieur le Président, présentez votre bureau. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de vous présenter, on est venu à la bureau et à Thank you.
DJ Momo. DJ Momo.